téléphone sonnait. D'instinct, je sus que c'était pour moi. Allô ? Alan Wake. Oui. Vous savez qui je suis ? Non. Qui êtes-vous ? On verra ça plus tard. Il y a des yeux curieux partout. Des ombres. Une impression de déjà-vu m'envahit. Avais-je déjà eu cette conversation ? Alan, écoutez-moi attentivement. Station Caldera Street. Le métro. Vous devez vous y rendre. Je vous rappellerai plus tard. Veillez à répondre. Je vous connais. Votre voix m'est familière. Vous avez encore oublié. On est dans le même camp. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de vous. On va pour ce fond. Je vous entends plus. Allô ? Allô ? Ah ! L'homme avait dit « Station Caldera Street ». Je devais m'y rendre. Un panneau indiquait la station de métro, mais elle n'avait pas d'entrée. Je devais la faire apparaître. Je pouvais tester la lampe pour faire apparaître l'entrée. La lampe ne fonctionnait pas. Il allait falloir trouver une lumière. C'était fermé depuis l'autre côté. Il y avait une lumière au bout de la ruelle, droit devant. Est-ce que c'était comme ça sur la page ? Bonjour. On s'est vu chez Porte. Alan Wake, l'écrivain. Je suis Alex Casey. J'enquête sur un meurtre. Non, mais... c'est une blague. On a retrouvé une preuve, le manuscrit d'un roman. Vous savez ce que c'est ? Un manuscrit ? Quel manuscrit ? Il faut que je le voie. Apparemment, ce manuscrit contenait tous les détails des meurtres.
Une secte meurtrière s'inspirait de l'histoire pour commettre des actes monstrueux. Wake serait leur chef. Il aurait écrit ça. Jusqu'où irait-il pour créer une œuvre d'art parfaite? Où serait-il la prochaine victime? Tu veux pas vraiment savoir. T'échapperas pas à ce qui t'attend. C'était un écho des livres que j'avais écrits toutes ces années. En prenant l'arme de Casey, j'ai eu l'impression de prendre le rôle d'un enquêteur. J'avais de la lumière. Je devais retourner à l'entrée de la station de métro. Merde. Une fois l'allée dans les ténèbres, les ombres me bloquèrent la route. Ouais. La lumière pouvait m'aider à ouvrir l'entrée du métro. Je vais trouver une autre lumière pour aller plus profond.
passage. Vous avez écrit des livres sur Alex Casey pendant des années. Quelque chose subsistait. Une phrase divine. Lui tentait de balayer les péchés de cette ville. Mais certains, les preuves de crimes ayant été commis ne pouvaient être commis. Pas par la pluie, ni par les séances thérapeutiques du docteur Jack Daniels. Ils restaient comme des hématomes sous ma peau. Et même. Dans mon âme, des cicatrices sur mon cœur. La pluie ne cessait jamais. Et je n'ai jamais cessé de boire.
L'accès au quai était fermé. J'avais un ticket. Le quai de la station me sembla avoir une importance. Ça fonctionnerait dans mes écrits, mais il m'en fallait plus. Une chose traînait ici. Un souvenir à moitié oublié. Un écho. Il y avait quelque chose. Une vision sur le point de se dévoiler. Je devais la regarder depuis le bon angle. Sur les traces d'une secte de tueurs. Porté disparu, on le pensait mort. La secte me laissait des indices à suivre, me faisant relier les points entre les différents meurtres, dessinant peu à peu une image obscène sur la carte de la ville. La station Caldera Street. Ce nom me faisait penser au trou que laisse une balle. J'eus soudain une inspiration. Le fantôme de mon enquêteur fictif. Une intrigue que je pouvais mettre dans mon livre. J'avais trouvé un lieu. Je tenais une intrigue. J'allais mélanger les deux et les décrire dans mon lit. L'entre-noir avait réagi à mon histoire. L'entrée des tunnels était enfin dégagée. L'agent avait regardé les ténèbres en face. Elle l'avait englouti. Les rails s'enfonçaient dans le tunnel. C'était le chemin à suivre. Les traces de sang se poursuivaient dans les ténèbres.
C'était un labyrinthe. Mais le sang me guidait. Un autre endroit à ajouter à l'intrigue. Je devais trouver d'autres visions dans les tunnels. Des inspirations pour l'histoire qui m'amèneraient plus loin. J'avais trouvé un autre lieu fascinant pour l'histoire. J'avais changé l'histoire. Et ainsi l'entre-noir changea. Encore un écho qui traînait ici. Une source d'inspiration. Il paraît que vos recherches peuvent m'aider, madame. Je vous écoute. Il y a plusieurs légendes urbaines au sujet de la secte du Mot. On raconte qu'ils utilisaient ces tunnels pour leurs sacrifices rituels. Il paraît que la secte reproduisait les meurtres des romans d'Alan Wake. Et que Wake lui-même était impliqué sous une fausse identité. Monsieur Grincement, ce qui bien sûr est un surnom du diable en personne. C'était perturbant de se retrouver dans l'histoire de cette façon. Mais j'avais pas le choix, et ça collait à l'intrigue. Il n'y avait plus d'eau. Je pouvais enfin progresser. Quelqu'un fredonnait. Fallait-il risquer d'aller voir qui c'était ? Bonjour. Ah, salut Alan. Vous m'avez surpris. Pardon, on se connaît ? Encore des trous de mémoire, hein ? Oui, on se connaît. Team Breaker. On a discuté. Ah, j'ai fait des progrès sur la carte, si vous voulez y jeter un œil. Mais j'ai pas encore trouvé l'homme mystérieux. Vous dessinez une carte ? Disons que j'essaie. Mais c'est pas facile avec un rêve.
J'arrête pas d'atterrir dans des endroits étranges. Je trouve des trucs intéressants, comme ces marques qui réagissent à la lumière, mais... je trouve jamais la chose que je recherche. Vous pouvez regarder la carte. J'ai fait le plein de provisions en fouillant partout. Alors, si vous trouvez une cache, prenez ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre aide. C'est qui cet homme mystérieux ? Ce serait plus un mystère si je le savais. Tout ce que j'ai, c'est son nom. Warlin Port. Le présentateur ? Non. Non, ça lui ressemble pas. Il a beaucoup d'identité, mais présentateur... Je continue mes recherches. C'est le mur de mes délires. J'essaie d'éclaircir les choses. Me jugez pas. Pour moi, c'est une bouffée d'air frais. Le train bloquait ma progression. Mais c'était pas un hasard. Il devait jouer un rôle. Je dois étudier le plan d'intrigue pour faire avancer l'histoire. J'avais un autre événement pour l'histoire. Je devais être sur place pour voir et pour comprendre, afin de tout changer. Thank you.
Je vous écoute, madame. C'est là que l'histoire de la secte devient réellement inquiétante. Ses membres ont traqué les porteurs de flambeaux dans les tunnels. Ils les ont enfermés dans un vieux wagon de métro, l'ont aspergé d'essence, et... Ouais... C'est charmant. Après ça, ça devient une histoire de fantômes. On dit que la fumée noire de l'incendie parcourt encore les tunnels, cherchant de nouvelles victimes à dévorer. Les fins heureuses n'existent pas dans cette ville. Cette intrigue semblait importante. Elle pouvait servir dans une des scènes trouvées. Ce nouvel événement m'enfoncerait plus loin dans la trame de l'histoire. Je ne pouvais pas changer l'élément d'intrigue d'une scène sans être sur place. Une histoire bien tordue, mais qui marchait. Le wagon n'était plus qu'une carcasse brûlée. Je pouvais enfin passer. La voie était bloquée. Je devais trouver un passage. Les lumières m'aideraient. Thank you.
La ville n'était pas réelle. J'étais limité par les confins du rêve. Les bribes d'une histoire résonnaient dans le hall. La nouvelle scène trouvée était importante pour l'histoire. Les adeptes étaient proches. Une présence sombre surgit des profondeurs. Leur chant s'intensifia. L'agent avait vu quelque chose qui l'avait fait fuir. Que le rite d'invocation ait été un authentique événement surnaturel, ou la psychose collective d'une bande d'illuminés, ça ne changeait absolument rien au fait. La secte remuait des choses qu'il valait mieux laisser tranquilles. Le rituel était crucial pour l'intrigue, la clé pour rejoindre le lieu du crime. J'avais une autre idée, une nouvelle intrigue. Les
c'est ce qu'il fallait à l'histoire. J'avais trouvé une page écrite, des mots répétés encore et encore. Les mots résonnaient pleins de sens. Les avais-je écrits ? D'être sur cette affaire. La secte peut nous choper partout avec sa magie noire. Laissons la patrouille de Jean gérer. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Un agent fédéral recherchait la secte. Mais c'était un piège. Un sacrifice satanique affreux. Tous ceux qui reniflent la secte de trop près, ils crèvent ! Il paraît que leur chef, c'est la star du polar, Alan Wake. Leur putain de messie à la mort moelle-neuve. Tu parles d'un tas de conneries. Le nouvel événement convenait très bien à l'histoire. Merde.
ombre noire. Elle s'était tue. Je n'entendais pas l'ombre noire. Elle s'était tue. Le tunnel était ouvert. Je pouvais passer. L'élément d'intrigue que j'avais trouvé ferait avancer l'histoire. Je m'enfonçais davantage dans la trame de l'histoire. Je m'imaginais la secte de tueurs se prêter à des actes immondes au-delà du tunnel effondré. L'adepte posa délicatement l'aventure de Casey sur l'autel. Leur Bible démente. Je l'avais déjà vue. Je me souvenais maintenant. Elle était toujours là, à mes trousses. Jamais je ne m'étais senti plus proche de chez moi. Un agent du FBI? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes qui? Il peut m'entendre. Je suis Saga Anderson du FBI. Je suis Alan Wake. Je suis piégé ici, dans l'entre-noir, sous Cauldron Lake. Cauldron Lake. J'essaie de m'enfuir. Je fais des progrès, mais je suis en danger. L'ombre noire. Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi! Je le sentais. J'approchais de chez moi. Est-ce que la femme de ma vision m'avait aidé? Une chose avait changé. Dehors. Parliament Tower. Je vivais avec Alice. C'était devant moi. Ça m'attendait. Glass, 'cause somehow this window becomes a trap.
on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap. This